Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode. Sûrement pour l'avant-dernier épisode, hein, je ferai un pour qu'on puisse vraiment le terminer. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté, on avait débloqué les technologies, on avait débloqué quelques trucs ici, on avait fait la bière, on avait fait les murs, on avait débloqué plein d'éléments aussi, la fabrication d'épées. Donc, si vous n'avez pas vu, en fait, ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, je me suis amusé à demander à mes villageois d'améliorer tout le tour de notre village en pierre pour que ce soit plus résistant en cas d'attaque. Donc ça a déjà été fait. Ce que j'ai aussi fait hors caméra, c'est que vous voyez que j'ai débloqué en fait l'âge de fer. J'ai débloqué et j'ai débloqué archerie composite. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. J'espère avoir 12 points jusqu'à la fin pour qu'on puisse mettre les portes renforcées et les tours de garde. Que je puisse en tout cas vous montrer. Et hors caméra, je pense que je finirai. Et pour le dernier épisode, on verra tout ce qui est acierage, énergie hydraulique, cuisson et domestique du cheval. J'essaierai d'avoir tous les points nécessaires pour tout débloquer. Aussi hors caméra, j'ai lancé la construction en fait ici de quelques maisons qui nous permettra d'avoir une capacité de population de 110, puisque un des paliers qui est demandé est atteindre la population de 100. Donc c'est ce que notre but était vraiment d'avoir tous ces paliers. Donc ce qu'on va réussir, on va essayer de faire. J'ai aussi débloqué en fait tout ce qui était le transport avec des animaux, avec des ânes. Donc j'ai deux ânes qui nous permettent en fait de faire du transport. Franchement, ça va un peu plus vite, je vois pas trop la différence. Le seul avantage et une chose que j'ai découvert en fait en faisant les murs et que je ne savais pas du tout, c'est que ici dans vous avez la charge de travail de vos villageois. Et quand j'ai demandé, j'ai fait toute une sélection autour de mon village, j'ai demandé à construire, j'étais à 325% de charge de travail. Alors bien sûr, le moral des gens a fortement baissé, c'était un peu la catastrophe. Mais c'est pas trop grave, ça s'est résolu assez rapidement. 20, 18, 26, 20. Ouais, ok, donc j'ai des animaux qui peuvent de nouveau pas aller dans la ferme. On va voir si je peux juste construire une ferme supplémentaire. On va essayer de la construire juste devant, juste à côté, s'il te plaît. Non, je pense que c'est parce qu'il y a l'arbre qui m'embête. On va construire ça. Et dans cet épisode, on va voir ici cet élément et cet élément qu'on va pouvoir construire. Donc ces éléments en fait c'est surtout des éléments métallurgie. Donc vous voyez qu'on a débloqué la mine de fer qu'on va tout de suite lancer. Comme ça on aura déjà la construction. Alors les mines de fer, je sais jamais de quelle couleur elles sont. Ça doit être un peu orange. Donc si on regarde, ça ressemble à ça. Alors on va en faire une construction. Mine de fer, là il y en a une. Construction, mine de fer, on va essayer d'en trouver une. Il n'y en avait pas une tout près de chez nous, c'est ici. Mine de fer, voilà. Donc ça, on va lancer la construction, comme ça, le temps que ça construise, j'espère qu'ils auront le temps d'aller chercher un peu des minerais. Donc, dans construction métallurgie, on a aussi débloqué atelier. Non, ça on l'avait débloqué, le bas fourneau qu'on va construire. On va en construire. On va déjà en construire un. Et on construira sûrement plusieurs après. Tout simplement juste pour gagner aussi les points de compétences. Et on a gagné la forge qu'on va mettre. Qu'on va mettre par ici. Écoutez, en attendant, de toute façon, je pense pas que nos mines sont prêtes, donc on va faire le nécessaire pour construire déjà nos fourneaux. Métallurgie, les bas fourneaux, pardon, fourneaux, construction.
construction, métallurgie. Et j'oublie toujours, franchement, les gars, je suis désolé. J'oublie toujours qu'en faisant shift, on peut en poser plusieurs. Mais bon. Donc là, ça va nous demander 8 de boue et 4 de cuir. Donc c'est pas grand-chose. On produit assez facilement. Ils nous ont enlevé l'arbre. Super, ils nous ont enlevé notre arbre. On va pouvoir. Putain, je peux pas poser d'écurie. Bon, on l'a fait un peu décalé, c'est pas grave. Voilà. Donc on a notre premier bas-fourneau qui a été construit, donc on a gagné un point. Quand ça, ils vont nous construire ça, on va gagner aussi des points. Donc on aura déjà assez pour lancer le prochain point de compétence. Vous voyez qu'on se rapproche gentiment aussi des 100 de population, donc super nouvelle. On va de nouveau passer un palier. Voilà. Population atteinte 100. Donc, je sais pas. Elle n'a pas considéré comme quoi on avait passé 100, donc on pas le palier, mais c'est pas grave. On a gagné 3 de compétences, ça va aussi. Donc, on va débloquer en fait directement fortification renforcée. Comme ça, on va pouvoir voir. Donc, ben voilà, palier de colonisation atteint. Donc, on a gagné 2 points. Donc, ça, c'est cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lancer. On peut fortifier nos portes. Donc, pour ça, vous voyez qu'il faut du métal en plus. Donc, on va demander d'upgrade celle-là et on va pouvoir upgrade aussi cette tour de garde. On va juste annuler en fait l'amélioration, on veut juste pas qu'ils nous détruisent ça, on fera quand on aura les ressources nécessaires. Donc, est-ce qu'ils ont construit notre mine de fer? Oui, notre mine de fer a été construite. Donc ils vont pouvoir commencer à fabriquer du fer. Pour le faire, il faut simplement un minerai de fer et du charbon. Donc n'oubliez pas de construire quelques fosses de charbon supplémentaires. J'ai l'impression qu'ils ont plus de bois à couper. Alors je vais mettre une nouvelle zone. Hop, on va mettre ici une nouvelle zone dans laquelle ils peuvent venir couper du bois. Parce qu'on aura besoin de charbon. On va juste voir. Normalement, bon, ils ont le moral. Il y a pas mal de monde qui a le moral assez bas. Voilà, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse peut-être plus de chariots, mais j'ai de toute façon que 2 ânes, donc ça va pas nous aider beaucoup. Je vais juste profiter de voir si j'arrive à trouver où sont mes moutons. Parce que j'ai pas mal de moutons. Voilà, 4 moutons. Je vais dire de les abattre. Comme ça, j'essaie de toujours avoir en gros. Entre 15 et 20 animaux, ça permet de tourner en fait avec les animaux facilement dans les fermes et ça vous donne de la nourriture, ça vous donne de la peau, ça vous donne plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. Bon là il nous manque de la boue et de la paille. En fait de la paille il faut vraiment que. Vous verrez qu'au niveau paille je suis vraiment vraiment limite, donc j'ai vraiment aucune paille en stock. Donc c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, on fait avec. Peut-être voir ici, peut-être planter, je sais pas, est-ce qu'on arrive à planter quelque chose? Voilà, on arrive à planter, ça fait 4 quelques trucs en plus. Ce sera déjà ça de gagner. Comme paille récupérée. En fait, là, quand les légumes nous rapportent pas de paille, en fait, seulement ça, ces éléments-là nous rapportent de la paille. Donc, assez important. Quitte, en fait, vraiment, si vous avez vraiment besoin de construire à l'extérieur, là, j'ai fait quelque chose qui est à l'intérieur, mais je pense qu'on peut facilement faire les choses à l'extérieur du village et non à l'intérieur. Ça sert peut-être pas à grand-chose de protéger nos ressources. Je sais pas si les pillards ou bien, en tout cas, les animaux, je pense pas que les animaux viennent détruire les ressources. Peut-être les pillards, je sais pas. Ouh, nous avons eu une pandémie, une chèvre à
contracté une maladie 8 fois. Donc on a perdu un peu des chèvres. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez ici, il y a du minerai de fer qui est en demande. Ça va se construire. On a un peu dans tous les fourneaux des minerais qui sont en demande. On va se faire attaquer par des pillards. Vous voyez que ça a vraiment bien augmenté les gens. La quantité de personnes qui viennent attaquer est juste énorme. Donc ce qui est assez intéressant, c'est vraiment venir ici. On va leur dire d'aller jusque là. Ça, ils vont arriver. Bon, on a perdu, je pense, on a perdu des chiens, c'est pas trop grave. Des humains ont été tués, on en a quand même 7. On a perdu 7 personnes. Bah voilà, ça arrive, on n'y peut pas grand-chose. C'est un peu le but du jeu aussi. On va enlever juste l'alarme et on va juste leur dire, les gars, construisez-moi un mur ici pour protéger le village. Donc vous voyez que c'est au niveau des attaques, plus on évolue, plus ça fait mal et plus il y a de pillards qui viennent attaquer notre village. Donc très important de bien le protéger, de mettre des tours tout autour. Ce qui va être intéressant de voir là, c'est en gros, le développement en fait, on va les lancer juste qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Non, je peux pas mettre la priorité dessus. Là, ils vont nous faire notre atelier de forge. Quand on aura peut-être encore même le temps de voir quelque chose de supplémentaire. Puis la dernière fois, on fera juste le strict minimum. On fera un épisode, ma foi, s'il dure un peu plus long, c'est pas trop grave. Donc là, ils vont nous démonter en fait nos tours de guet et pour en construire une nouvelle. Donc vous voyez, là, j'ai mis en place directement tout ce qui était fer, toute la production en gros de fer, tous les outils en fer, pardon. Et on voit qu'il y a déjà une demande. Donc c'est pas rien. La seule chose qui m'embête, c'est que on n'est pas beaucoup de personnes qui travaillent, mais bon. C'est quoi ça? C'est du charbon de bois. Voilà, ils vont faire le nécessaire déjà pour améliorer. Ils ont déjà amené le fer, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il nous faut juste un de paille puis un de bois. Mais je pense que la paille, on n'en aura pas, car on en a vraiment besoin pour plein de choses. On a gagné un point pour avoir obtenu 1000 de céréales, 1000 de peau. On a une personne qui est morte de vieillesse. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. On n'a toujours pas assez de place pour les animaux. Alors on va regarder. 20, 23, ça fait 25. Donc normalement, on a de la place. Je pense que c'est parce qu'ils viennent de finir de construire ça. Qu'est-ce qui nous manque? Juste un tronc. Allez les gars, juste un tronc pour qu'on puisse voir quelle est la tête de nos tourelles, si on y arrive. Ce serait sympa encore de voir ça pendant cet épisode. J'aimerais aussi. Ils ont commencé aussi à construire la porte renforcée. Donc ça c'est le top. Là j'ai fait quelques traîneaux. Oh, une tempête qui arrive, on s'en fiche. Ça c'est vraiment quelque chose alors qui peut m'énerver, c'est la tempête. Quand il y a la tempête qui arrive, ça ralentit le jeu. C'est un peu dommage, mais bon. Si, je sais que je me suis déjà plaint dans un autre épisode, mais c'est vraiment embêtant. Alors, non, je crois qu'on a tout amélioré. On a gagné un point supplémentaire. Oh, on a déjà 17 points. Parce qu'on va pour l'instant, je vais les garder. On verra si on a le temps encore dans cet épisode. Tout d'un coup, je ferai un épisode plus court aujourd'hui et plus long la prochaine fois pour rattraper. Comme ça, je ferai tous les points, j'aurai tous les points de développement et tout. Donc vous voyez que là, ils sont en train de nous construire notre tour de garde et notre porte renforcée. Donc c'est le top. On pourra faire on fera la comparaison entre les deux au niveau des points. Donc ici,
coup, on a notre porte à 750 points de vie, notre un mur en pierre à 750 points de vie et une tour à 950 points de vie et une tour normale à seulement 600. Donc on a gagné quand même 300 points de vie sur une tour. C'est pas à négliger, mais c'est non plus pas ouf. Ça, il faut le savoir. En sachant que quand même une tour quand on il y a eu des attaques précédentes, ça se détruit quand il y a 5-6 personnes, un coup par personne et il n'y a plus de tour, c'est quand même pas donné. Mais bon, on va faire que toutes nos portes soient renforcées, je vais faire que toutes nos tours de garde soient renforcées. Donc on va lancer l'assaut. Construction de nos tours renforcées comme ça pour le prochain épisode. J'espère qu'elles seront faites. Oh, on va déjà faire ceux-là. Donc on a le marchand qui est arrivé. On va voir qu'est-ce qu'il nous vend. Ah, il nous vend une technologie qui pourrait être intéressante. Donc on va essayer de l'acheter. On a des épées en fer, épées en acier. On a des tenues. On va vendre les tenues. On va en garder 20. Épée en bronze. On va vendre déjà tout ce qui est qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc, tout ce qui est pour la pêche. Les couteaux à bois. Ça fait déjà tout de l'argent qui est gagné sur des choses qui sont pas, qui sont faciles à fabriquer. Ça rapporte rien en cuivre. Silex non plus. Épée en acier, on va en mettre deux. Les vêtements en cuir, on va en mettre aussi. 390. Bon, c'est pas le moins cher, hein, le gars, franchement. Ah, c'est bon, là, on a dû se dépasser. Donc, on a débloqué une nouvelle compétence. Qui est tout simplement domestiquer les chevaux, donc c'est pas très 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 important. Donc en gros, il ne me manque plus, allez, en arrondi, il me manque 24 points, 23 points en fait, pour débloquer les trois dernières choses que j'aurai à vous montrer. Donc au pire, tout d'un coup, ce sera peut-être notre dernier épisode en fait. Du coup, je me dis que je ferai une coupure, on fera un épisode un peu plus long cette fois-ci et on verra. Pour l'instant, je ne prévois rien. On verra comment se déroule un peu la suite. Donc on a fait là, on a fait notre fer. Et nous, maintenant, il nous faudrait l'acier. Pour l'acier, en fait, il suffit de débloquer la compétence ici pour faire lance en acier. Pour faire des lances en acier, des outils en acier. Et ce qui va nous aussi nous permettre, je crois, vision gérée. Palier ici, c'est d'obtenir notre première unité en acier pour débloquer tous nos paliers. Donc, on sera vraiment à la fin du jeu. Non, on pourrait continuer de se développer, mais on sera à la fin en fait de tous les paliers. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin. Et on passera au monde suivant. Donc, on va essayer d'accélérer un peu le tout. Ils ont vraiment pas envie de me faire mes traîneaux. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est quoi ça? Chevaux sauvages. Tiens, il n'y a pas des petits. Là, il doit y avoir un tout petit. Hop, capturé. 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 Là, il y en a aussi un petit capturé. Voilà. Ça, on aura 5 chevaux. On va pouvoir refaire des chariots qui vont être tirés par les. En fait, au lieu que ce soit des ânes, ce sera des chevaux, ce sera plus intéressant. Voilà. Donc, en fait, ça ressemble déjà à un petit truc sympa. Si on devait encore améliorer des trucs, il faudrait qu'on mette en place plus des champs de blé supplémentaires
pour avoir assez de paille, parce que là on est de nouveau, je pense, à zéro. On a beaucoup de blé, mais on n'a rien d'autre. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant de mettre ça en place, mettre des champs supplémentaires, quitte à les mettre par ici, même qu'ils soient, même que les champs ne seraient pas très très grands, ce serait quand même intéressant. Juste pour la production, que ce soit, il y en ait un peu plus. Mais ce qui veut aussi dire, plus il y a de production, plus il faut du monde. Bon, ça c'est pas trop un problème. On a pas mal de monde. Donc on a 22 points. Donc on aura vu comment fabriquer ça. Au niveau de ma mine ici, comment ça se passe. Vous voyez que on a 115 de minerais. Donc on a pas mal de minerais dedans. Qu'on peut faire pas mal de choses. Là j'ai lancé les tours de garde qui doivent le faire. J'ai pas envie de toutes les faire en même temps. Mais je devrais presque. On verra si on améliore, mais celle-là on va aussi lui demander d'améliorer. Celle-là aussi. Je trouve un peu bizarre parce que il y a de la demande, mais il n'y a personne qui vient travailler. Alors, est-ce qu'on est en sur travail? Non, on est à 64 de tâches. Donc, je vois pas, je comprends pas trop pourquoi. Ça produit pas, mais pourtant ils ont de quoi faire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, qu'est-ce que c'est ça par terre? Tenue en laine, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce sera peut-être un épisode un peu plus court que les autres que d'habitude. Je sais pas où on en est dans le temps, c'est pas trop grave. On va s'arrêter là. Je vais améliorer tout mon village et je vous reprendrai juste après pour. Je referai encore un épisode une fois que ça tout sera amélioré. Pour vous montrer les derniers points, donc aciérage, énergie hydraulique et la cuisson pour notre village. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, mettez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit commentaire si vous avez des idées ou des choses à dire sur la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao ciao ciao!